Publié de 1990 à 1995, le manga Gunmu, contraction de Gun et Dream, fait partie des classiques de la bande dessinée post-apocalyptique. Bien qu'il ne soit jamais sorti en dehors du Japon, le seul jeu vidéo adapté de l'œuvre de Kishiro Yukito est toutefois connu des fans occidentaux de la série. En effet, de nombreux croquis réalisés pour le jeu étaient inclus dans la réédition grand format du manga, paru au début des années 2000. En 1995, suite à des problèmes de santé, Kishiro Yukito est obligé d'abréger la fin de Gunmu et de conclure les aventures de Gali la cyborg avec un final dont il n'est pas satisfait. Dès le mois d'octobre de cette même année, il commence à rassembler des idées pour une fin alternative à son manga, qui entraînerait Gali dans l'espace à la recherche de ses origines. Il décide que cette histoire serait idéale pour un jeu vidéo de type RPG, et fonde avec son frère Tsutomu le studio Yukito Products Incorporated afin de travailler sur ce projet. Les deux frères passent un accord avec l'éditeur Banpresto, habitué des jeux adaptés de manga et d'anime, afin d'en financer le développement. Gunmu Kasei no Kyoku, Mémoire martienne, est d'abord prévu pour une sortie en 1997, mais le développement prendra du retard et le jeu ne sortira finalement qu'en 1998. Sa conception est l'occasion pour Kishiro de développer de nombreux aspects de son univers restés assez flous dans le manga, comme le conseil de l'échelle ou bien les différents mouvements qui composent le Panzerkunst, l'art martial de Mars dont l'héroïne Gali est l'héritière. Kasei no Kyoku retrace l'histoire de Gali depuis le début du manga. Sur une terre post-apocalyptique, l'élite vit dans une cité volante appelée Zalem. À la surface de la terre, dans l'ombre de Zalem, s'étend la décharge, une vaste conurbation industrielle. Peuplée de mutants et de cyborgs, la décharge est un cauchemar urbain où règnent misère, barbarie et violence. Un semblant d'autorité est représenté par les Hunter Warriors, des chasseurs de primes payés par les usines ravitaillant Zalem. Les armes à feu étant interdites dans la décharge, les arts martiaux et autres méthodes de combat rapprochées y connaissent un renouveau, tant du côté des criminels que des chasseurs. Docteur de rue spécialisé dans la réparation des cyborgs le jour, Hunter Warrior la nuit, Ido Daisuke découvre le crâne parfaitement conservé d'une cyborg dans un tas d'ordures. Ido décide de la réparer et la nomme Gali. La considérant comme sa fille, Ido cherchera à la préserver des horreurs de la décharge, sans succès, car Gali n'est pas un ange. Sous ses airs innocents, la demoiselle possède un talent inné pour le combat. Dans sa vie antérieure, avant d'échouer dans les ordures de la décharge, elle était une guerrière d'élite, rescapée des grandes guerres spatiales. Un passé dont elle a tout oublié et qu'elle cherchera désormais à retrouver. Kasei no Kyoku se situe quelque part entre le jeu d'aventure, le RPG et le beat'em up. En écumant les bas-fonds de la décharge, Gali pourra éliminer toutes sortes de criminels plus ou moins cybernétisés afin d'empocher les primes. Cet argent lui permettra d'améliorer son corps cybernétique et ses armes, comme dans tout RPG. L'équipement disponible reste toutefois assez limité, et les items se limitent à des recharges de santé et de plasma. Le joueur devra également apprendre à maîtriser les enchaînements du Panzerkunst, afin de survivre à des affrontements toujours plus meurtriers. Il est particulièrement vital de savoir bloquer les attaques ennemies afin de pouvoir contre-attaquer dans la foulée. Kasei no Kyoku est relativement linéaire. Les deux premiers tiers du jeu suivent le déroulement du manga assez fidèlement. Bien que certains passages soient simplifiés, le fan retrouvera tous les moments forts de la bande dessinée. L'affrontement contre Makaku, Yugo, le Motorball, les machinations du docteur Destinova, la bataille contre Zapan, les aventures de Gali dans le désert en tant qu'agent Tuned, etc. Il sera même possible d'incarner d'autres personnages à des moments spécifiques de l'histoire, notamment Foggia 4, ce type sympa qui désosse des cyborgs à main nue. Mais comme le souhaitait Kishiro Yukito, le jeu va également au-delà du manga et poursuit les aventures de Gali dans l'espace. De nombreux concepts et personnages introduits dans le dernier tiers de Kasei no Kyoku serviront de base au manga Gunmu Last Order, que Kishiro commencera au début des années 2000. Ceci étant dit, Last Order ira à son tour bien au-delà des idées esquissées dans le jeu vidéo, pour le meilleur, mais aussi parfois pour le pire. Mais ceci est un autre débat. Assez médiocre graphiquement, Gunmu Kasei no Kyoku compense ses faiblesses techniques et sa linéarité par un système de combat bien pensé, des séquences de jeu et des situations variées, et une histoire ambitieuse. Kasei no Kyoku est donc une adaptation réussie des aventures de Gali en jeu vidéo, ce qui est quand même rassurant vu que l'auteur original était aux commandes du projet. Il est donc d'autant plus dommage que le jeu ne soit jamais sorti en dehors du Japon, ce qui aurait permis aux fans du monde entier d'en profiter.